amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo courte aujourd'hui. Juste, je vais commencer la remise en température des Crotalus cerastes pour la remise en terrarium. Donc, on va aller voir dans cette vidéo déjà s'ils sont encore en vie. J'espère que oui. Qu'il n'y a pas eu de soucis pendant l'hivernation. Ça fait 2 mois maintenant qu'ils sont au repos. Et on va donc faire une remontée de température. Donc, là, je vais les remettre dans la pièce d'élevage en les laissant dans la boîte. Et ensuite les repasser dans leur terrarium dans 4-5 jours afin qu'ils puissent reprendre les températures correctes. Cette vidéo sera pas très longue. Comme vous savez, je saute à peu près un vendredi sur deux pour les vidéos. Tout simplement parce que je fais plein de choses à côté et que je n'ai pas forcément le temps. Et puis en plus, c'est l'hiver, donc les animaux, il n'y a pas grand chose à faire spécialement et à vous montrer en vidéo. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit en me disant qu'il y avait eu un concours organisé par Clément de mon petit piton. Alors j'ai pas tout suivi honnêtement parce que je suis vraiment pas sur les réseaux sociaux en ce moment. Un concours terrariophile, alors j'ai pas tout suivi du meilleur terrariophile de France ou je sais pas quoi. Alors c'est ça, moi tous ces concours là je veux même pas en entendre parler pour la simple et bonne raison, même si c'est Clément et que je l'aime bien. Hein. Tout simplement c'est que pour moi il n'y a pas de meilleur ou de moins bonne personne. On m'a dit que ça faisait les youtubeurs, les... J'ai pas suivi en fait. Si quelqu'un peut m'envoyer un lien ou un message en m'expliquant correctement ce que c'est, parce que j'ai pas non plus le temps de le contacter. Mais voilà, il n'y a pas de meilleur terrariophile en France, en fait. Que ce soit un capacitaire, que ce soit un particulier, que ce soit un ancien de 60 ans ou que ce soit un jeune de 20 ans. Moi, j'ai vu, les gars, des jeunes de 14 ans à la bourse de Nîmes, il y a 3 ans. Le mec, il en connaissait plus que moi sur les crotales. Il avait 14 ans. Il m'a sorti des trucs que même moi, je ne connaissais pas, des noms que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, c'est un peu exagéré de vouloir mettre le meilleur parce que... Si c'est juste sur la notoriété, ben voilà, les gros youtubeurs vont défoncer tout le monde. Alors qu'en fait, les mecs, ils y connaîtront rien du tout. Voilà, donc mon point de vue là-dessus, j'en sais pas plus. N'hésitez pas à venir me le dire, j'ai pas trop le temps entre le boulot et autres, j'ai plein de projets en cours. On va aller voir les animaux, comment ça se passe, je vais chercher la caisse. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de les embêter, c'est vraiment de regarder s'ils sont vivants. C'est surtout ça qui m'inquiète toujours le plus quand il y a une hivernation ou une hibernation. Donc vous voyez, la caisse se présente comme ça, on l'avait vu il y a 2 mois. Donc... Je me rappelle plus le code. Si c'est ça. Normalement c'est ça. Voilà. Tac. Donc on va surtout aller voir sans trop brasser la caisse. Voilà. Donc là ils sont de ce côté. Voilà. Donc il y a du caca. Ça c'est pas normal. C'est que parce qu'ils étaient quand même en phase de... Ils avaient bien mangé, mais ils avaient bien digéré. J'avais bien attendu. Donc, comme quoi, ça aurait pu être fatal. Alors, comme vous savez, c'est mon espèce préférée. Je vais aller leur remettre de l'eau. Tout simplement, pour qu'ils puissent se réhydrater pendant 5-6 jours. Je vais les laisser dans cette pièce. Avec, dans la boîte, tout simplement. Avec de l'eau. Voilà. Donc, ça va très bien pour remettre de l'eau. Voilà, la femelle elle est là et le mâle est ici. Alors le mâle légèrement plus maigre, il a perdu un petit peu, mais bon c'est vraiment léger. Et la femelle elle pour le coup très belle. Bon à part cette digestion qui est là, donc voilà, je sais pas. Je pense que ça en est, mais bon après. À voir, bon, il n'y a pas eu de problème. J'avais quand même entendu 4 semaines sans nourrissage, donc ils ont quand même eu le temps de digérer. C'est peut-être des restes qu'ils avaient, hein, tout simplement. Mais voilà, donc ils sont vivants. On va les refermer, tout simplement, et les laisser se réhabituer. Je ne vais pas les passer à chaleur, entre guillemets, à chaleur directe, parce que tout simplement, ils vont passer sinon directement à 30 degrés, donc c'est beaucoup trop. Donc ils vont rester dans la boîte, en bas, dans ma pièce, à un endroit plus frais. Et ensuite, je vais les remettre dans leur terrarium sans chauffage pendant encore 5 jours. Donc qui est ici, éteint pour le moment. Et ensuite, donc là je peux le rééclairer hein, pour vous montrer, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ensuite, je viendrai remettre le ballastre chauffant pour qu'ils aient justement, qu'ils reprennent en fait leur température. Un petit tour rapide, donc du Crotalus vegrandis qui grandit toujours bien. Un petit tour du Crotalus viridis.
Le molossus qui vient de faire sa mue, il faut que je vienne nettoyer la caca mue, donc c'est cool. Donc il est au fond là-bas, vous n'allez peut-être pas bien le voir. Les trimés, bah, tout se passe bien. J'ai pas de problème particulier. Voilà, bon, il y a peut-être pas très bien sur la vidéo, mais tout se passe très bien. Là, donc on a le. Hop, je sais pas si vous allez arriver à le voir sur la branche, le Crotalus lepidus, anciennement Clobéry. Donc voilà, c'est des crotales assez calmes, hein, vous voyez, lui il bouge pas trop, il est légèrement sur sa branche, il bouge pas, il est tranquille. Voilà, au calme. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser les commentaires, partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.